Pour cette partie, donc, comme vous avez voulu me troller en m'envoyant avec du Gloom Spike Gitz contre du Flesh Eater Court avec mes pauvres 3, 4, 5 de bravoure, j'ai décidé de vous troller en retour en sortant une armée à 2000 points de troll. Alors effectivement, on a l'impression qu'il y a 500 points, mais je vous promets qu'il y a vraiment 2000 points ici. Donc, ma liste full troll, comme vous, est donc composée d'un général, un Trog Boss. Alors, en artefact et en trait de co, je lui ai mis celui qui lui permet de relancer la valeur de son gros club là, de D6 dégâts. Comme ça, si je fais un 1, je pourrais le relancer. Et ensuite, il a un Feel No Pain à 4 tant qu'il ne fait pas de 1. Donc, j'espère que je ne vais pas faire comme la précédente partie où il est sorti sur la chaîne, où il a fait un 1 au premier Feel No Pain et c'était vraiment dramatique. Pour l'accompagner, je joue deux Trogoth Hag. Donc, évidemment, jouer deux, c'est pas fou. Parce qu'en plus, vu qu'elles n'ont pas les bons keywords, elles ne peuvent pas prendre d'artefacts du BT ni de sorts supplémentaires. Donc elles ont un sort signature qui à 12 permet de mettre moins 1 à la touche, moins 1 à la save. Elles sont relativement correctes au CAC, elles ont un tir qui est pas dégueulasse. Elles ont moins 1 pour être touchées en permanence et elles soignent de D6 par tour. Donc ça c'est le petit truc sympa avec elles. Elles ont 16 PV, simplement sur une des deux, je lui ai mis l'artefact de Shaman qui lui permet d'ignorer la reine moins 1, sur celle-ci précisément. Concernant mes héros, c'est tout. Ensuite, j'ai deux fois 6 Rokgut Trogoth. J'ai un peu du mal avec les noms. Ouais, c'est les anciens trolls de pierre. Donc, ils ont un Feel No Pain à 5 et ils lancent à 12 pouces un gros caillou, dépendamment du nombre de figurines qu'il y a dans leur unité. Donc comme ils sont par 6, tant qu'ils sont full effectif, ça passera automatique. Quoi de particulier? Règle des trolls, hormis les Trogoths, elles ont une régénération qui leur permet sur un 4 plus en face de héros de soigner des 3 points de vie. Bravoure de merde, évidemment, hein, pour tout le monde, c'est du 5. 5 de bravoure. Donc je joue deux packs de 6 comme ça. Et pour les accompagner, j'ai trois trolls de vomi qui doivent s'appeler pas des vomi Trogoth, c'est des Fellwater Trogoth. Donc même aptitude que la Trogoth Hag, c'est les mêmes en plus petit. 4 plus, on soigne de D3 et ils ont un moins 1 pour être touchés. Et ils ont un vomi aussi. Donc globalement, c'est du relativement gros dégâts en termes de nombre sur la fiche. Dans les faits, c'est un peu moins balèze. Et tout le monde a de la reine, donc je sais jamais si je me craque bien positivement, je peux envoyer du gros gros dégâts. Ça, c'est dégâts flat 3, dégâts flat 2. Dégâts D6, bref, ça tabasse pas mal. Ensuite, je joue la Trog Herd, donc c'est un bataillon dans lequel rentre tout le monde, sauf les deux Trogoth Hag, qui me permet déjà d'avoir mon deuxième artefact, qui me permet aussi d'être en 3 poses, donc c'est exceptionnel, je pense que vraiment je vais pouvoir emmener cette armée dans le haut du metagame, et qui a la capacité, quand je fais un 6 à la blesse, d'avoir plus un dégât flat sur les armes en question. Donc D6 plus 1, dégâts 4 et dégâts 3. Donc je pense que je vais souiller de la goule. Avec ça, j'ai pris deux sorts persistants. Alors je pouvais prendre un Fungoid Cave Shaman. Simplement, vu que mes Trogoth Hag ont un seul sort et que c'est censé être niveau 1, une fois qu'il y en aura une qui aura tenté, l'autre ne pourra pas le lancer. Donc déjà, ça leur fera des trucs à lancer. Et en plus, ça me permettait de jouer vraiment full troll et d'être vraiment dans la pureté absolue. Donc j'ai pris les Chronomantic Cogs qui me permettront d'améliorer un petit peu mon mouvement absolument famélique. Et ensuite j'ai pris une prismatique palissade parce que je trouve qu'elle est bien peinte. Et voilà. Ensuite, quelques aptitudes particulières avec la lune. Ce qu'il faut retenir, c'est que les trolls, quand ils sont sous l'effet de la lune, au moment de faire leur régénération, donc ça marche pas pour les Trogoth Hag, hein, c'est le keyword regenerate, ils pourront soit doubler la valeur du soin si ça a été réussi, à savoir si j'ai fait mon 4+ automatiquement, ou alors relancer si ça a échoué. Donc voilà, c'est tout pour ma liste Trogoth aka Gloom Spike Gitz à 2000 points pour ce rapport de bataille et pour péter du Flesh Eater. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai pour mission de régler le compte d'un Squig qui se prend un peu trop pour un Trogoth. Donc du coup aujourd'hui vous m'avez demandé de venir en Flesh Eater et ben j'ai toqué à la porte du jour du festin et du coup j'ai un pote qui s'appelle Bibu, juste ici là, qui a appelé ses frères Bobo et Bibi. Un Arch-Régent, un Aberrant Ghoul-King sur Dragon Zombie et un Aberrant Ghoul-King sur Royal Terrorghast, qui vont mener une armée du jour du festin avec du coup une quarantaine de ghouls, un petit courtier qui est là pour les mener, une dizaine de ghouls et une autre unité de 10 ghouls. Donc ça fera partie du bataillon de la Ghoul Patrol. Ensuite, nous aurons en invocation 20 ghouls et 3 flayers.
pour les effets. Pour les effets, messieurs, nous aurons un Mister ici qui sera général, donc Bibu, qui aura plus 2 en lancement de sort, en dissipation, en conjuration, parce que il est vénère. Hein, il est vénère. C'est son trait de commandement, donc Dark Wizardy, donc magie noire, qui lui permet du coup d'avoir plus 1 de base. Puis la cape de peau, donc un artefact pour les aberrantes qui lui permet d'avoir encore un plus 1, parce que plus 1, plus 2, hein, pourquoi se limiter à ça? Et ensuite, on aura le courtier là, Benjamin, je l'appelle Benjamin, voilà, je trouve qu'il a une bonne tête de Benjamin. Pour tous les Benjamins, je suis désolé. Et lui, du coup, il aura le pelon écorché qui fera que, entièrement à 12, tous les fléchiteurs pourront relancer leur jet de charge. Le bataillon de la Ghoul Patrol, je rappelle, donc qui comprendra du coup le courtier et 40, 10 et 10 ghouls, fait en sorte que je peux mettre soit une, soit toutes les unités de ce bataillon en frappe en profondeur et les faire venir dès la fin de ma première phase de mouvement. Donc ensuite, nous avons le Calice d'Ushoran qui va peut-être être invoqué, je ne sais pas par quel moyen, hein, qui va permettre justement soit de résurrecter quelques ghouls après avoir fait des dégâts sur des... Résurrecter. qui va permettre peut-être de ressusciter quelques ghouls ou quelques goulettes après avoir fait des dégâts à quelques saletés de Trogoth, ou alors guérir quelques dragons zombies ou terrorgeist après avoir fait des dégâts à quelques saletés de Trogoth. N'écoutez pas le Squig, hein, de toute façon c'est un Squig, il se prend pour un troll, mais on va le rabaisser bien comme il faut. Donc je rappelle que je suis en jour du festin, donc c'est une cour générée qui me permet d'avoir une fois par tour, par phase de combat, de ne pas avoir à dépenser un point de commandement pour attaquer une deuxième fois de suite à la phase de combat. J'ai en invocation du coup les Flayers qui peuvent être invoqués soit par le Terrorgeist, soit par l'Arche Régent, et les 20 ghouls qui peuvent être invoqués par l'Arche Régent. Donc voilà, ils vont arriver sur la table parce que de toute façon, dès que Bibu il est en colère, il y a tous ses cousins, tous ses potes, c'est la partie, c'est la fête, voilà. Et aujourd'hui, on va taper du Squig bien fort, les gars. Pour cette partie, nous jouerons donc sur le scénario 3 sites de pouvoir. Donc évidemment, vous l'aurez compris, c'était pour que j'ai quand même une petite chance de faire quelque chose. Donc on s'est dit que 3 sites de pouvoir était un scénario adapté à ma liste possédant 3 gros héros. Donc, c'est du déploiement à 24 pouces, classique. Je vais vous présenter rapidement la table avant que Mila vous présente son déploiement. Donc, alors, c'est parti. Premier, donc, c'est Milanin qui a choisi son côté. Donc, pourquoi il a choisi son côté? Parce qu'il y a un décor ésotérique ici. Donc, plus 1 au lancement des sorts, dissipation, conjuration. C'est ça, en effet. Donc, de mon côté, j'ai été plutôt content parce que de ce côté-là, il y a un décor dominant. Mmh. Étant donné qu'il est en jour du festin, c'était pas primordial pour lui. Mmh. Ici, on a un décor maudit, donc reroll des 1 à la touche sur l'unité jusqu'à la prochaine phase de héros contre des 3 BM. On a le même ici. Ici, décor qui donne inspirant, plus un bravoure. Et là-bas, un fatal. Un petit fatal, donc des dégâts sur un 6, machin, des 3 BM, tout ça, si on finit à côté. Un mouvement. Petite particularité de ce scénario, donc comme tous les scénarios à héros, on contrôle les objectifs avec un héros à 3 pouces à la suite d'un mouvement ou si on a tué l'ancien possesseur de l'objectif. C'est ça, en effet, avec un héros à côté pour pouvoir contrôler cet objet-là. Bien sûr, ou alors qu'on a tué avec une unité, écopiline, on rentre dans l'objet, bref, des petits tricks de tournoyeur professionnel, tout ça pour dire que les TP ne comptent pas. Ouais, ouais. Grosso modo. Et sur ce scénario, par contre, la retraite compte à l'inverse de l'autre scénario à héros. Bref, passons. Donc, Mila, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton déploiement de grande qualité? Alors, du coup, j'ai commencé par choisir ce côté parce qu'il y avait un décor ésotérique pour pouvoir passer des sorts plus facilement. J'ai posé mon Arche Régent juste ici. Donc là, comme ça, on va avoir un mec qui va avoir un niveau de magie type Nagash. Il a plus 3 pour lancer ses sorts maintenant. Salut le Squeak. Ensuite, on a le Terrorgeist qui est juste au-dessus. Il s'en fout en fait du décor vu qu'il vole. Donc, il va pouvoir tracer à fond et il aura plus 1 lancement de sorts. Donc ce sera sympa en fait pour soit lancer des Endless, soit lancer ses Affine No Pain à 5. Les ghouls ici qui vont peut-être avancer pour coordonner un peu les trolls qui voudront essayer d'aller chercher des petits héros. Ici, nous avons un zombie dragon qui va justement faire face à cette grosse hague et à ces petits enfants là. À cette belle hague. Cette grosse hague, ok. Moi je le dis, elle est grosse. Mais elle est sympa, mais je l'aime bien. Mais elle va mourir, de toute façon voilà. 10 petits ghouls ici, parce que je me suis dit pourquoi pas.
et nous avons 10 ghouls en frappe en profondeur avec le bataillon de la Ghoul Patrol avec le courtier qui arriveront du coup à 6 pouces, entièrement à 6 pouces d'un bord du champ de bataille et à 9 pouces de tout ennemi à la fin de ma première phase de mouvement. C'est ça, donc règle classique d'embuscade like. C'est donc ça. De mon côté, le déploiement, alors j'ai essayé de placer ce qui était hors bataillon en premier pour pas me compromettre trop mes poses, en faisant en sorte toujours de pouvoir finir juste avant Miladin. Donc en fait, comme j'avais une pause de moins, qu'il a splitté ses poses, j'ai fait pareil, j'ai suivi jusqu'au moment où on pouvait plus pour tout mettre de ce qui me restait. Donc j'ai mis mon troc boss ici. Alors, petite explication, oh, j'ai déjà mes trolls à genoux, c'est pas grave. qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je sais qu'il a une double activation, son socle fait 5 pouces. Donc avec la double activation, vu qu'il a 3 de portée, il peut aller chercher à 6, plus le demi-pouce d'engagement obligatoire. Donc techniquement, il peut aller chercher à 11,5. C'est pour ça que j'ai mis 12 entre mon troll ici et mes Fellwater Trogoth ici. Ensuite, ma Trogoth Hag avec l'artefact qui ignore la reine -1, elle est un petit peu plus indépendante. Donc je l'ai laissé partir sur le côté. Petite règle des Trogoth Hag, si elles dispellent, elles peuvent mettre des 3 BM sur un 4+, j'ai oublié de le dire. Ensuite, ici j'ai été un peu moins précautionneux, pourquoi? Parce que son Terror Geist, qui est posté en hauteur, est un petit peu plus loin, et surtout le socle ne passe pas, donc il ne va pas pouvoir engager directement en se posant ici, il pourra engager en se mettant ici, et par contre derrière, avec le peel-in, ça sera trop juste puisqu'il n'y aura plus de 6. Donc potentiellement, sur une grosse charge, je peux perdre mon pack de Trogoth. Donc évidemment, là vous avez compris que ma strat, c'est plutôt de laisser le T1, tant pis pour les pertes qui arriveront, mais je ne pourrai sûrement pas encaisser un double tour de fake. Donc on va la jouer comme ça, tant pis si je perds mon général, il me reste du monde à côté. Et ensuite là-bas, j'ai un petit peu moins peur, le dragon zombie ça cogne vachement moins fort que le Terror Geist. Je fous un -1 à la touche, les trolls ont un Field No Pain à 5, bref, je suis immune bravoure en plus. Donc c'est tout pour mon déploiement. Et puis, on a oublié de le dire, on joue en Jiran. Le royaume de la vie, c'est ça. Exactement. Donc, avec un petit sort qui permet de faire des BM si on subit des charges. C'est ça, les barbelés ou je ne sais. Exactement. Trop. Et une aptitude de Ko qui permet de relancer le sort. Super fort. C'est ça. Super, super fort. Donc, c'est tout pour nos déploiements. Et je vais donc laisser le premier tour à Miladin. Alors avant de passer au premier tour côté fléchiteur courte, j'ai placé ma lune dans ce coin de table là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est là où j'ai mis la plupart de mes trollolos. Et aussi parce que mon général n'est pas très loin. Petite précision, j'ai fait en sorte ici d'être à plus de 11, mais aussi d'être à moins de 6 de ma Trogoth Hag pour potentiellement immuniser bravoure, parce qu'on sait que ça peut arriver. Très bien, donc c'est parti, on passe à la première phase de héros côté fléchiteur. C'est parti. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le bataillon, j'ai un point de commandement. J'ai dépensé 50 points pour avoir un deuxième point de commandement. Et là, je vais recevoir un troisième. Donc, ça va me faire 3 points de commandement. Ce que je vais commencer par faire, c'est lancer le sort de l'Arche Régent qui permet de faire courir et charger une unité sur du 6. Là, ça va être sur du 3 parce que j'ai plus 3 en lancement de sort. J'ai fait 6 plus 3, 9. Donc moi, je vais évidemment tenter de dissiper avec ma Trogoth Hag. Sur du 10. Ouh là, t'as eu chaud. Hein. J'ai eu chaud. Je t'avoue, j'ai eu chaud. Un petit 7. Du coup, je vais choisir de faire courir et charger le Terror Geist. Ok. Qui est entièrement à 12 du Mister. Ensuite, je vais lancer encore un sort avec l'Arche Régent. C'est plus des 3 attaques sur une unité entièrement à 24 pouces. C'est sur du 6, donc moins 3, 3. Oh, c'est beau. C'est beau. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Beau. Voilà, voilà. Passe voilà. Sur du 3, et bah tu fais 2. Tu vois, c'est ça, c'est fait, le talent. En fait, il s'est pris pour Nagash et Nagash lui a dit t'es pas moi. Franchement, c'est magnifique. Franchement, les dieux sont avec moi. Les dieux le sont avec toi. du coup, je vais lâcher le Calice d'Ushoran avec l'Aberrant Gold King sur Royal Terror Geist. Donc c'est sur du 6, donc ce sera sur du 5 vu que j'ai plus 1. Ça passe sur du 10. Donc je ne peux pas dispel là puisque je n'ai plus personne à porter et mes Trogoth Hag sont évidemment des sorciers de niveau 1 pour 400 points, c'est tout à fait normal. C'est exactement ça. Oh le con. Alors suite au massacre de la table de Miladin, oui. Tu as donc placé ton calice du Shuran à 24. Donc après le gros tremblement de terre, j'ai mis le calice à 24 pouces du Terror Geist, donc qui s'appelle Bobo. Et du coup c'est Bubu qui va lancer son sort pour relancer les jets de blessure entièrement à 16 et ça passe sur du 10. Très bien. Est-ce que c'est terminé pour ta phase de héros? Eh bien pour ma phase de héros c'est terminé, on peut passer à la phase de mouvement. Nous sommes donc passés à la phase de mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce que tu as fait? Parce que là t'as pas mal bougé là.
Et bien, du coup, c'est simple. J'ai pu faire une course à 6 auto avec les dés. C'était magique. Ouais. Donc, pour faire avancer mon Terrorgeist jusqu'ici. Et au moins prendre l'objet si jamais je rate ma charge. Ici, le dragon zombie peut courir et tirer avec son trait de monture. Ouais. J'en ai un deuxième grâce à mon bataillon. Du coup, je me suis mis pile à 9 pour pouvoir tirer sur les Trogoths ou alors sur la hague. Ouais. Et en même temps, être entièrement à 12 du calice. Okay. Si jamais je prends des PV dans la tête. Si jamais. Si jamais. Les ghouls ici, bon, vous protégez un petit peu l'arche régent. Ouais. L'arche régent, enfin, ils sont tous entièrement à 12 de l'arche régent qui s'est mis entre le décor ésotérique pour avoir toujours son plus 1 et son trône pour pouvoir peut-être éventuellement, lors d'un double tour, invoquer quelques unités gratos. Fin de la phase de mouvement, ça a été assez intéressant. J'ai dû faire popper mes 10 ghouls du bataillon automatiquement à la fin de ma première phase de mouvement avec le courtier, donc ça c'est la ghoul patrol, sachant que mon courtier fait relancer les jets de charge des unités flesh hitter entièrement à 12. Du coup, je l'ai mis à la limite des 6 pas du bord du champ de bataille pour pouvoir lui faire, faire relancer les jets de charge au Terrorgeist. Comme ça, le Terrorgeist a potentiellement une grosse charge à faire sur les Fellwater, car je suis normalement trop loin de la hague pour pouvoir charger. C'est ça. Du coup, je suis assez satisfait de ma phase de mouvement. Pas mal, t'as fait des 6 naturels. Ouais, ça évite de claquer des PC pour rien, quoi. et puis, je suis enragé contre les Trogoths, hein, parce que le Squig, il fait le malin. C'est ça, vas-y, tire dessus, voir. Alors, on va tirer. Chose. Alors déjà, t'as un tir auto. C'est un tir auto. J'ai fait 1, donc ça passe, vu que c'est moins de l'unité de Trogoth. Ça va passer forcément, c'était vraiment très stylé. Et sur du 2+, pas de 1. Un 3. C'est magnifique. Et si je dis pas de bêtises, tu as un rend moins 3. 3, donc, c'est ça. Donc 3 dégâts, c'est ça? D6 dégâts. Sur les Trogoths, sur les trolls de pierre. C'est ça. Donc rend moins 3, j'ai plus de save, hein, évidemment. Ça fait D6 dégâts. Allez, sors-moi le coq. Le coq Donc 6 dégâts, ça commence bien. J'ai un feel no pain à 5. J'en tank 2, c'est statistique. Je prends 4, je perds un troll. Allez. Très bien. Phase de tir terminée. Bah, et on se retrouve au début de la phase de combat. C'est exactement ça. Et bien du coup... Pour la phase de combat, alors petit brief de la phase de charge déjà. Tu as fait une charge à 5 avec ton Terrorgeist. Yes. Ça ne suffisait pas, donc tu as fait un petit peu plus. Tu as pu aller chercher les Fellwater Trogoths. C'est ça. Et ici, tu as fait une charge à 2. Oui. Que tu as relancé, puis tu as fait vachement plus. Ouais, j'ai fait 3. C'était magique. Genre les ghouls ont fait non, on a trop peur de cette vieille hague. Bon, elle est belle, hein. Elle est belle, regarde. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, ici, on a un beau petit combat. Alors, toi, du coup, t'as pas pu pour ta double activation. En tout cas, ça suffira pas pour aller engager les deux. Absolument. Mais il y a moyen que ça pète quand même. Yes, il y a moyen que ça fasse du dégât. Hein. C'est ça. Donc, j'ai un plus 1 à la save quand même, parce que je suis dans le décor. Ouais. Et aussi parce que tu as aussi un moins 1 à la touche, puisque c'est la capacité de cette unité. Oui, mais de toute façon, je suis là pour te corriger, mon ami. T'es là pour faire des 6, c'est ça. Je suis là pour corriger du Squig. Donc vous l'aurez compris, hein, c'était pas la charge la plus stratégique de la Terre. Exactement. Mais je crois qu'il a envie de se venger. J'ai envie de me venger de mes affronts. Exactement. Alors, des choses ont été dites, et maintenant des mortels doivent être distribués. Du coup, là, je vais commencer par les cerfs et les crocs sanguinolents de Labrand Ghoul King. Donc ça va être 5 attaques sur du 3+. Donc moins 1 to hit. Donc sur du 4+. Et ça me fait 2 touches. Qui vont blesser sur du 3. 2 blessures à perforation moins 1. Très bien. Donc moi j'ai une save native à 5. Mm-hmm. Je suis dans le décor. Donc j'ai une save à 5. Fantastique. Et c'est un dégât à chaque fois. Très bien. J'ai pas de feel no pain avec eux. Donc ça me fait déjà 2 dégâts dans les Trogoths. Et bim! Ça c'est une gifle de laborante. Ensuite, je vais avoir 4 attaques de griffes de squelette. Allez. Donc ça, c'est le Terrorgeist qui te baff. Donc ça touche sur du 4 de base, donc ce sera sur du 5. Et j'ai un coq. Le coq, il est toujours là, il est toujours présent. Et après, ce sera une blessure sur du 3+. 5, c'est beau. Et ce sera perforation moins 1. Hop. Une save à 4, ça ne passe pas. Et c'est des 3 dégâts. Je vais relancer, c'est cassé. Cassé dégâts. Et c'est un seul dégât. On me fait 3 dégâts pour l'instant, je suis pas encore mort. C'est une excellente nouvelle. Ouais, t'inquiète, ça arrive. Ça arrive. C'est maintenant les râteliers de crocs. C'est maintenant les râteliers de crocs. Donc de voilà, base. Là, je suis un peu triste parce que le 6 natif, malheureusement, sans modificateur, c'est un petit peu triste pour moi. Yes. Mais c'est pas grave. Ouais. Du coup, je touche sur du 4+ avec 3 attaques. Ouais.
Donc ce sera sur du 5, mais les 6 font 6 blessures mortelles flat. Même pas peur. Ça fait déjà un 6 et c'est relançable, monsieur. Grâce au gruesome bite, le trait de monture. Donc je relance et je n'aurai qu'une touche. Alors du coup, je vais blesser sur du 3+, 5 et ça va te faire une sauvegarde à perforation moins 2. Donc save à 6. Oh, je suis nul. Et c'est des 6 PV. Allez, fais-moi rêver. 2. Bon, bah ça va, ça aurait pu être pire. Ouais. Ok, donc je vais procéder au retrait de mes pertes et passer à... Non, je vais attaquer tout de suite. Ah oui, c'est vrai que tu peux attaquer une deuxième fois. Jour du festin, monsieur. Du coup, je vais attaquer encore une fois. Donc, jour du festin, en plus, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Du coup, 5 attaques sur... Bon, tu veux pas faire tout de suite les attaques de râtelier trop. Tu veux que je fasse les râteliers. Histoire qu'on en finisse peut-être. Qu'on en finisse. Ah, je sais pas, j'aime bien te voir souffrir, c'est drôle. Allez, sur du 5, les 6, c'est des BM, mais c'est relançable. Allez, du 6. Oh, j'ai vu le 6 passer. Allez, sur du 3+. Oh. On sait pas où il est. On sait pas où il est. Allez, on va chercher lui, là. Allez, hop, une save à moins 2. C'est la 6. Oh, il tape son 6. Solide. Ça, c'était stratégique. Tu voulais que je fasse les ratés d'abord. Je fais attention. Maintenant, alors, j'ai plus très peur. Les serres et crocs sanguinolents du Ghoul King. Donc, sur du 4+, au lieu de 3. C'est parfait. Moi, je prends. Ensuite, sur du 3+. Bah, ça te fait 3 save à moins 1. J'avais préparé que 2 dés. À moins 1. Eh ben non, ça passe pas. Donc je me reprends encore 2 dégâts. Donc j'en avais pris 3 et 8, ça fait 11. Et 3, 14. J'ai 4 PV par tête. Donc le pack saute dans d'atroces souffrances. Yes! Suite à cette phase de combat absolument terrible. Que se passe-t-il? Phase 2 déroute. Ici, je suis entièrement dans les 12 de ma lune. Je suis donc immunisé au test de déroute parce que j'ai que 5 de bravoure. C'est quand même pas la folie. Si j'en perds un sur un 5+, c'est encore un autre qui se barre. Vu le prix en points de ces figues, c'est cher payé. Mm-hmm. À quasiment 50 points la figue. Donc, tu ne marques seulement un point. Oui. Puisqu'ici, tu as préféré bâcher que strater. Oui. Et donc, nous passons au premier tour côté Gloomspite. Allons-y. Premier tour côté Trollo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 . Donc j'ai pas ma lune, elle arrivera peut-être au prochain tour si je suis sage. On va commencer tout de suite avec cette splendide Trogoth Hag, donc qui va tenter, malheureusement, comme la lune n'est pas là, elle n'a pas son plus en cast, elle va tenter de lancer les Chronomantic Cogs. Ça passe pas. Ça passe pas. Et ensuite, cette Trogoth Hag va tenter de faire son sort maison sur le Terror Geist, qui va lui mettre un moins 1 à la touche et un moins 1 à la save. 9. Ça passe sur du 9 et je vais essayer de dissiper avec le Terror Geist. Allez, c'est parti, mon ami, dissipe. Là, ça va pas dissiper. Ouais, double 1. Là, il a dit non. Non, j'ai envie d'avoir plus moins 1 en touche et moins 1 en save. C'est vrai, t'es pas fou. Du coup, bah voilà, hein, j'ai gagné un PC supplémentaire parce que je suis à côté du décor dominant. J'en avais payé 1, j'en ai donc 3, ce qui est une excellente nouvelle. T'avais pas un bataillon? Si, j'en ai, c'est celui que j'avais. 2, tu en sois 1 au début de ton tour, plus le commandant, donc ça t'en fait 4. Regarde, Miladin, je vais t'apprendre. Un pour le bataillon, ouais. Un pour le T1, oui. Et un pour le dominant. T'avais pas payé 50 points pour un PC? N'importe quoi, il n'a rien écouté à ma présentation de liste. Bravo. Oui, mais parce que je me suis dit, bon... Bon, allez. Allons-y, et nous allons passer à la phase de move. Ok. Suite à la phase de move, qu'ai-je fait? J'ai avancé ma Trogoth Hag ici, j'ai mis... en fait, j'ai fait avancer tout le monde, hein. Globalement ici, je suis resté dans l'aura de la lune. Mon Trog Boss va tenter d'aller régler le dragon zombie. Le Terror Geist, pardon. Oui. Mes excuses. Tu le respectes, s'il te plaît. Et la Trogoth Hag, qui a déjà nerfé en mettant un moins 1 à la touche et un moins 1 à la save au gros lardon ici, va tenter d'aller lui régler son compte. C'est un beau lardon. C'est un gros lardon. Ouais, t'as vu ta hag Elle est magnifique, ma hag. Elle est trop moche. Donc nous allons commencer déjà par le premier tir ici. Elle est très bien, pote. C'est très gentil. Mmh. Nous avons donc 6 tirs ici dans le dragon zombie, donc c'est 6 tirs en 3+. Ouais, ça va. Ça, c'est 6 BM, mais si ça la touche. Ok, d'accord. 3 plus. Voilà, reine moins 2. Ah, reine moins 2. 4 attaques, reine moins 2. 4 attaques, reine moins 2. Ok, et bah écoute, ce sera sur du 6, monsieur. Sur du 6, j'ai aucun 6. 4 des 3. 1, 2, 3, 4, 5. 7 dégâts. 7 dégâts. C'est pas mal. Je vais avoir des fines no pain. Sur du 6. Aucun 6, j'ai perdu 7 PV, monsieur. A noter quand même qu'il y a une particularité depuis le manuel général 2020, tu peux plus accumuler ta Feel No Pain à 5 et ta Feel No Pain à 6. C'est ça. Donc, bon, là, j'avais qu'une Feel No Pain à 6, c'est un dragon zombie. Exactement. On va passer ensuite au tir des
de... Ils sont vraiment ridicules, j'en peux plus. Donc, ils ont un tir indépendamment du nombre de figurines dans leur unité. Yes. Donc, ils sont 5. Et je vais tenter, du coup, sur un 5- de mettre des 3 dégâts auto dans ton monsieur là-bas. C'est un 2. Bim! Des 3 dégâts. Bim! Deux blessures mortelles. Allez, c'est le moment de lâcher des coques, monsieur. Il lâche pas de coques. Après 9 dégâts, mais en fait, c'est une armée de tir. Ouais. C'est la nouvelle méta-tir. C'est la méta-tir. Non, mais on n'arrête pas de dire que c'est méta-tir, voilà, c'est la preuve. Exactement. Et ensuite, eux, ils vont faire la même chose, ils sont 6, donc c'est auto D3 BM. 2. Ah, purée! Allez, le coq! Dommage. Enfin, t'es pas très bon au coq. Hein. Ouais. Donc, t'as pris quand même 11 dégâts au 11 tir. dégâts, monsieur. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et je vais réfléchir 2 secondes avant de savoir dans qui je tire avec ma Trogoth. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'activer la Trogoth Hag avec son tir dans le petit moche ici, déjà parce qu'il a un moins 1 à la save. Et en plus parce que ça me fait plaisir de le régler. C'est toi qui es moche. Voilà. C'est gentil. Donc, 6 attaques en 3+. Toujours en 3+. 3, reine moins 2, donc tu n'as plus de save cette fois. Yes, donc. Les 3 dégâts. 1, 2, 3, voilà, tiens! Mais non! Voilà! Allez sur du 6, c'est le moment de lâcher du 6! Et ça me fait un Infinite Pain de réussir. Mais non, c'est pas un coq. J'accepte, c'est que les coqs. Ouais, mais c'est toi qui voulais acheter les dés, hein, moi Ah, je te c'est vrai. répète. C'est vrai. Donc seulement 2 BM, je suis extrêmement déçu. Nous allons passer à la phase de charge et nous retrouver juste après. Alors, suite à la charge, j'ai fait des charges monstrueuses ici, Ouais. à 11, 10 et 9, donc ça m'a permis d'aller super loin et. De prendre l'objet surtout. Ouais, c'est ça. Alors, Si. techniquement, pas encore. Oui. C'est pour ça que je vais d'abord tenter de taper avec les trolls et ensuite j'aurai le droit à mon piline avec ma hague pour prendre cet objectif. Ici, je me suis monumentalement fail. J'ai Oui. fait une charge à 3 puis 5, donc ça ne suffit pas, il me fallait 8. Et elle a fait une charge à 4. C'était peut-être pas la peine d'aller chercher le dragon zombie. En fait, il a moins 2 tweets, moins 2 pour taper sur elle. Par contre, vu qu'il fait des 6 naturels, il envoie des BM à l'appel. J'ai préféré ne pas aller le chercher. Donc, on va commencer tout de suite par les attaques. J'ai déjà fait le peeling ici. Donc, j'ai 10 attaques. J'ai 2 attaques par mec. On va faire taper avec le pack de 5 qui, lui, a la capacité de taper complètement full unité. Ici, j'ai des figurines qui sont un peu loin puis j'avais pas trop la place. Donc, c'est parti. J'ai 10 attaques en 3+. Burk! Qu'est-ce qu'il y a? 3+. Ils sont pas mal, c'est des luminettes. Ouais. Par contre, j'ai pas de 6. Donc, tu as 5 attaques. 5 attaques. Reine moins 2. Reine moins 2, allez. Bah du coup j'ai save à 6. C'est parti. Il faut sauver la vie mon pote. Ah, dommage, combien de dégâts? 12. 12 dégâts! Oh mon dieu! Allez, je vais faire le. Hey, Il tu lui vas reste voir. 3 PV, c'est ça? Il me reste 3 PV, c'est ça. Donc 3, 6, Bon, sept. fais-en 6, ça devrait suffire. Ok, ah t'es comme ça. Tu sais quoi, je vais lancer les 12, je vais Vas-y. faire 10, 6, tu vas voir. Donc 3, 6, 9, 10 et 13. Allez, c'est Ciao! parti! Allez hop, il est mort! Stratosphérisé. C'est ça. Ah, oh, ça fait plaisir. Putain, vraiment troll top tier. Alors là, Ouais. juste petit point de règle intéressant, c'est que techniquement, à ce moment précis, l'objectif n'est pas encore à moi. C'est ça. Il va falloir que je fasse mon peeling avec ma Trogoth Hag. C'est ça. Et c'était tout l'intérêt. Au cas où, imaginons qu'elle se faille totalement en tapant sur le dragon zombie. C'était pas mal pour moi voilà, je préférais éviter ça en faisant taper d'abord les trolls pour ensuite faire mon mouvement, puisque c'est soit en tuant, soit suite à un mouvement. Exactement. Et donc on va passer à ton activation. Et ben on va activer les ghouls. C'est ça. Du coup, je vais en avoir 7 qui vont taper. C'est ça. Donc tu as combien d'attaques par tête? 2 attaques par tête. Donc ça va nous faire un petit 14, peut-être un plus 1 avec le Plus 1 boss. avec le boss. Je suis trop fort. Yes. Et du coup, Moins un tweet. j'ai moins un tweet, donc je toucherai sur du 5 plus, mais je relance les 1 parce que je suis entièrement à 18 de mon abhorrent Ghoul King. C'est un abhorrent. Et c'est parti sur du 5. Ouf! C'est très 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 mauvais. C'est stat. Mais c'est pas grave, tu vas voir, je vais faire le PV de la honte Jamais. sur ta grosse hague. Jamais de la vie. Tu vas voir, allez, sur du 4+. Allez, le PV de la honte. Une. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est Le ça. PV de la honte. J'ai Toujours 3. pris un PV, c'est tragique. Donc bah du coup on va faire la riposte tout de suite puisque c'est pas ce petit PV naze qui va me faire passer dans mon palier dégressif. Donc j'ai 4 attaques en 4+. Joli. Ils sont jolis les dés Deux lumineux. plus. Oh bah pardon. Ça va les repousser, tu vas voir. Ça repousse. Donc tu as une attaque reine moins 1.
Sur les ghouls, du coup, bah, j'ai pas de. Bah, dégâts 3. Alors, du coup, ça va me faire 3 feel no pain car je suis entièrement à 12 de mon courtier et je vais perdre 3 ghouls. Et ensuite, j'ai des 3 attaques. Celles-là, assez bêtes parce qu'elles sont importantes. 4 plus. 3 plus. Ouais. C'est du rend sans rend. Ce sera sur du 6. Dommage. Décide, les gars. 3. Ça va me faire 3 feel no pain à 6. Rien du tout. T'es vraiment naze au Feel No Pain. Je sais, je sais pas t'en si ça m'arrive. T'en as réussi un, je crois, depuis le début. C'est ça. C'était même pas un coq. Donc je vais perdre 3 ghouls sur cette unité de 10. Activation de laborant, Ghoul King. Du courtier. Du crit gas courtier, monsieur. Pardon, faut connaître ses figurines, ouais, monsieur. Non, je connais pas ça. Ah là 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 là. Il y a de la vermine. Donc 3 attaques, je touche sur du 3 plus de base, donc sur du 4 plus. Oh, c'est trop fort cette règle. Exactement. Sur du 3 plus, ça va te faire une save sans rend. Évidemment. Et je vais la tanker, bien sûr. Il la tanke. C'est annoncé. Ensuite, je vais avoir 2 attaques sur du 4+, donc sur du 5. Ah, casser celui-là. Allez, lance-moi un coq. Et il fait un double coq, le monsieur. Le mec, il fait des coqs à la demande, quoi. Exactement. Allez, 3+. T'as une sève. Normal, toujours. Et je la tanke. Pas. Non. Ça fait un dégât, monsieur. Ok. T'as pris un dégât par un ghoul et par un cri de gaz courtier, t'as pas honte. C'est déjà fini? C'est déjà fini, ouais. Super. Donc, ça va me faire 2 dégâts dans ma trogotte. Et je vais peut-être attaquer une deuxième fois, tiens, hein, parce que, bah, jour du festin. Allons-y. Allons-y. Donc ça va faire 3 attaques sur du 5+. Tu vas attaquer qui, le courtier ou les ghouls? Bah, je vais attaquer avec le courtier. C'est parti. Hop. C'est beau quand ça touche. Sur du 3+, t'as une sève. Oh là là. Il arrête pas de les. On laisse, on laisse. Par contre, ils volent plus maintenant. Super. Ouais, c'est ça, ouais. Hop. Hop, sur du 4, 5. Non, sur du 5, du coup, ça ne touche pas. Tranquillou. Dommage. Ok, donc où en sommes-nous? Bah, une aile perdue c'est et ça. Un dragon zombie perdu. Donc ici, par contre, je vais avoir un piline à faire. Je vais, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais replacer ma Trogoth Hag et eux ont chargé, donc ils ont le droit aussi à leur piline, mm-hmm. même s'il n'y a plus personne à porter, parce que j'ai chargé. Et nous allons faire le petit décompte des points. Décompte des points. Moi, j'ai pas eu de perte parce que tu tapes super mou. Ouais. De ton côté, tu as perdu un petit dragon zombie. Ouais, et du coup, il est en train de manger son aile, l'autre. C'est ça. Alors, du coup, j'ai fait mon peeling. J'ai fait ce que je dis ce que je fais, et voilà. Et voilà, et du coup, je lui ai mis son aile parce que c'est un petit trophée de guerre. Et là, j'ai avancé. Pourquoi? Pour être éventuellement, si j'ai pas le tour, à la prochaine phase de combat, à 18 de portée de cet individu au début de la phase de combat. Puisque même si je n'étais pas engagé, je devais me rapprocher des figurines les plus proches qui étaient les ghouls. Enfin, ne pas m'en éloigner, disons. Donc, je marque à mon tour un point, le même objet là. Exactement. Et puis, ça marque la fin de ce tour. Nous allons tout d'abord regarder si la lune avance. 6. Elle est sur toute la table. C'est bien, t'as claqué ton 6, c'est bien. Elle est sur toute la table. Petit jet d'initiative. Sur le coq. Le coq. J'ai lâché le coq. Le mec fait que des coqs à la demande. Notre ami Miladin a décidé de prendre ce deuxième tour. Yes. Je pense que c'était une bonne idée, parce que déjà son dragon n'a plus qu'une seule aile. Ouais. Et en plus, parce que les trollolos, mine de rien, quand ils avancent, ils tabassent fort. Donc exactement. C'est parti de deuxième tour côté Flesh Eater sur un score de 1 partout. Exactement. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est lancer le sort pour ajouter plus des 3 attaques à une unité entièrement à 24 avec l'Arche Régent. Donc avec la mauvaise lune, j'ai moins 1, c'est ça. Mais j'ai toujours plus 2. Avec le trait de co et l'artefact, et plus 1 avec le décor, donc j'ai toujours plus 2. Et ça passe sur du 6 plus 2, 8. Je vais évidemment tenter de le dissiper, puisque au premier tour, c'était plutôt le vol, la course et charge qui m'embêtait le plus. Puis de toute façon, tu t'es vautré sur l'autre, mais là, c'est vraiment le plus des 3 attaques qui peut m'embêter, donc c'est parti. Dommage. 6. Pour info, c'était cette Trogoth Hag qui a porté, qui a tenté de dispel. C'est ça. Donc du coup, je vais lancer le D3 pour savoir combien d'attaques. Bah, d'ailleurs, j'ai fait 7 puisque j'ai plus 1 aussi, sous la lune. Ah oui, c'est vrai. Donc plus D3 attaques, plus 2 attaques. Je vais le mettre sur l'unité de ghoul. Les 40 ghouls vont avoir plus 2 attaques. Très bien. Je vais lancer ensuite un trait mystique hein, pour m'amuser sur tes Trogoth juste ici. Avec l'Arche Régent, bien évidemment. Ça va être un 4 plus 2, 6. Je ne peux pas dispel, a priori, je suis trop loin, puis je vais le laisser, je pense. Une blessure, BM. C'est ça. Ça devra aller. Je vais mettre une BM dans mes trolls. Et avec l'Aberrant Ghoul King sur Royal Terrorgeist, je vais lui mettre sa Feel No Pain à 5 plus. Ouais. Ça passe sur du 8. Donc tu as 8 moins 1, 7. Non, parce que j'ai. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc j'ai ça passe sur du 7. Et moi, je vais tenter de le dispel avec l'autre Trogoth Hag.
Je fais 7 et 1, 8. Je vais juste vérifier que j'ai plus 1 au dispel. Nous avons fait appel à l'avare et il s'avère que je n'ai pas plus 1 au dispel. J'ai seulement plus 1 au cast et lui plus 1 au cast. Du coup, c'est donc, nous carton avons jaune fait, pour toi. C'est ça, carton jaune dans la... Dans la hague, ouais. Suite au carton dans ton dragon zombie. Ouais. Alors toi, tu sais quoi? Tu sais quoi? Elle va se prendre son carton rouge, alors. Ça marche, avec plaisir. Fin de ta phase de héros? C'est la fin de ma phase de héros et je vais partir sur ma phase de mouvement. Classique. Alors, nous avions oublié un test de déroute ici dans les ghouls, puisque tu en avais perdu 6. Tu as fait 4. Donc, c'est parfait. Parfait, ça fait 10. Alors... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta phase de mouvement? Très bien. Donc, comme je pouvais faire un désengagement et quand même aller chercher l'objectif, j'ai désengagé mon courtier avec un 3 en course pour qu'il aille jusque là, avec un mouvement de 9. Derrière, eux, ils vont rester au contact avec la hague. Ces 10-là vont essayer, eux aussi, de charger la hague, comme ça, si elle pète les ghouls, elle aura une autre unité. Tu feras attention, je crois qu'il a oublié sa fierté ici. Ouais, mais attends, je crois que il l'a pris avec le PV qu'il t'a pris sur la hague. Pardon. Hein, ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai soigné de 2, là. Ouais, c'est ça. d'ailleurs, j'ai oublié, le Terror Geist, il guérit de D3 blessures à la phase de héros. Monsieur. 1. Donc, il a perdu qu'un PV. C'est ça. Et puis, du coup, eux, ils peuvent aller engager sur une charge à 3... la hague, comme ça elle a plusieurs unités qui peuvent l'engager. Elle peut plus bouger en plus. C'est ça. Et puis le Terrorgeist, il va porter ses coucougnettes. La fierté. Exactement, il va porter la fierté, il va aller la charger. Ici, ce qu'on a fait, c'était plutôt tranquille. C'est on a avancé les ghouls de 6 pouces pour qu'ils aillent charger avec leur plus 2 attaques à chaque fois. Et on a fait courir de 6 avec un PC notre cher ami Archregent pour qu'il buffe les ghouls et en même temps pour qu'il aille chercher l'objet. Très bien. Et du coup, j'ai une phase de tir, monsieur. Vas-y, fais-moi rêver. Donc, je vais lancer un dé avec le Terrorgeist sur ta hague. Sur un 1, c'est touche auto. C'est ça. Non, c'est juste, je lance un dé, je rajoute 6. Ah, pardon. Oui, c'est la bravoure, c'est pas un dragon zombie. Donc, je lance le dé. J'ai fait 4. 4 plus 6, ça fait 10. Tu as une bravoure de 7. Donc, ça te fait 3 BM. Ça fait mal. Ça fait mal, monsieur. 5. Quoi d'autre? Il me semble que c'est tout pour la phase de tir. On va faire des petites phases de charge. Allez. C'est parti. On va charger ici avec les ghouls. C'est ça, on va les enchaîner. Hein. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. 5. 4, donc 5. De toute façon, ça n'empêchera pas lui de charger, donc je pense que tu vas charger avec lui aussi. On va charger avec lui aussi. 5, 6, 6 donc ça va aller. Et de ce côté-là, de toute façon, il n'y a qu'une seule charge. 4. C'est un beau 4. Je vais essayer de la relancer avec un PC parce que j'aimerais mettre beaucoup. Regardez le 2. Allez. Regardez le 2. Allez! Fantastique. Le 10. Parfait. Suite à la charge. Alors ici, tu as fait ta belle charge à 10 qui t'a permis d'aller écranter ici. C'est ça. Et ensuite, tu as donc 22 ghouls qui sont à portée avec 5 attaques par tête. C'est ça. Donc ça va faire 110 attaques dans les trolls. On va peut-être pas toutes vous les montrer. On va passer directement au save. Et ici, tu t'es placé comme si. Exactement. Moi, je vais pas claquer de PC. J'aurais pu claquer un PC ici pour la roll des 1 à la touche, machin. Ça va pas être super utile dans la mesure où tu risques d'activer 2 fois. C'est ça. Et donc, on va passer aux attaques des 110 attaques de ghouls. Et puis, je pense qu'on va se retrouver pour les sauvegardes. Suite à la première activation des ghouls, en 4+, relance des as 4+, tu m'as passé 33 dégâts sur tes 110 attaques. J'ai donc 33 jets de sauvegarde à 5. Donc, on en fait déjà 17. Ouh la vache. C'est trop beau. Sur les premiers 17, j'en prends 13. Pas mal. Et ensuite, j'en ai un de moins. Aïe, 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 moins de idée. Hop là, ouais, c'est bon. Déjà mieux. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mais je crois qu'on est quasiment... on est quasiment à une save press stat. Alors, c'est assez intéressant. Du coup, j'ai laissé le troll qui était au milieu... pour éviter que tu puisses te projeter trop. Mmh. Du coup, ça ne t'a pas permis d'aller engager cela puisque tu devais ne pas t'éloigner de celui-ci. Et ce que tu as décidé de faire, vu que ce n'était pas la peine d'aller les engager, puisque tu ne pouvais pas, oui. Tu as décidé de l'encercler en conservant un cordon de protection ici pour que potentiellement je ne puisse pas trop facilement aller chercher le héros derrière. C'est ça. On va vous passer du coup toutes les attaques dans ce pauvre mec à 3 PV puisque j'ai pris 21 et l'unité à 6 x 4, 24 PV, il m'en reste 3. Donc, nous allons le retirer puisqu'il est mort dans d'atroces souffrances. Exactement. Je pense que ça ira à 5 attaques par ghoul. Et ensuite, je vais activer ma Trogoth Hag qui va du coup
évidemment se retourner pour régler son compte à cet individu qui a toujours le moins 1 à la touche et moins 1 à la save du tour d'avant. C'est exactement ça. Je suis dans mon deuxième palier, du coup, donc je ne vais plus blesser sur du 3, sur du 2, je vais blesser sur du 3. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques en 4 plus. C'est stat. 3 plus. Une, elle ne fait pas partie du bataillon, j'aimerais bien le déclencher au moins une fois. Reine moins 1, du coup, ça te fait reine moins 2. Donc 6, du coup. Ouais. Et solide. La tank, monsieur. Et ensuite, j'ai des 3 attaques. 3. 4 plus. 3 plus. Ah, j'avoue que je suis triste parce que là, c'était des 6 dégâts. Aïe. Et donc, on va passer à tes activations. Bah, je pense ici. qu'on va y aller avec le Terror Geist. Ouais, c'est ça. On va commencer tout de suite. Il me reste 11 PV. Non, dans le mien. Pardon, excuse-moi. Dans ma hague, il reste 11 PV puisque j'en ai 16. Et ben, on va commencer direct avec les râteliers. Allons-y. Hein. Donc, 3 attaques. Donc, t'as moins 2 tweets. Donc, ce sera sur du 6. Donc, quoi qu'il arrive, ce 6 sera ou rien. Et c'est relançable par contre. Allez-y. Dommage. Donc, il n'y a que 6 BM pour l'instant. Bien, pas mal. Ensuite, je vais faire les 5, les 5 attaques. Je rajoute tout simplement un 6. Sur du 6. Pas mal, je prends. Pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Yeah, ils sont bien, t'inquiète pas, il revient à la charge. 2 save à moins 1. Non, 1 du tout. 1 dégât. Comment ça prend, hein? Elle a pris 13? Ouais. Ok. Et ensuite, 4 attaques sur du 6. Allez, m'en rêver. T'es vraiment insolent, hein. Eh oui, monsieur, mais c'est parce que je dois te corriger. Ah, c'est ça. 3 plus. Ah bah voilà. Chet. Il me reste un PC. C'est ça. Donc là, pour l'histoire, ici, t'as pas eu besoin de le payer parce que t'as le jour du festin. C'est ça. Par contre, ici, tu peux l'utiliser, mais c'est payant. C'est payant, sachant que sur un prochain tour, tu risques de me faire du mal sur les ghouls. Donc, j'aimerais quand même avoir potentiellement une immunité à la bravoure. Donc, je vais garder ce PC et attaquer avec les ghouls. C'est ça. Donc il lui reste 5 PV, donc il y a moyen qu'elle tombe pas quand même. C'est ça. Donc, on va faire 8 attaques avec les ghouls au socle marron. C'est pas qu'ils se sont fait caca dessus, c'est juste que bon, bah voilà. Fantastique. Merci pour cette remarque hyper intéressante. Ils ont juste marché dans la boue. Ce sera sur du. Dans 5. La boue, d'accord. Dans la boue, j'ai dit. Ah, pardon. C'est juste, faut se. Je sais que tu traînes un peu dans des caves. Avec des gobelins. Avec des gobelins, des champignons. Partout, mais... Donc, sur du 5. Et je relance les as. Grâce. Bah, avec la bande goulée. Non, mais ça va, c'est pas mal. Sur du 5, ouais. Oui, c'est tranquille. Du coup, oui, mais ils sont vénères, c'est parce que tu leur as manqué de respect. Ça marche. Et je leur ai dit aussi qu'ils marchaient dans la boue, tu vois. Donc, faisons comme ça. Ça te fera 4 save, monsieur. Ouais, j'avoue que c'est pas cool. Hein. Eh oui, monsieur. Prends 3 dégâts. Est-ce que c'est tout? Je vais attaquer avec les autres ghouls. Ça me fait un petit peu peur. Nous nous retrouvons suite aux pilines. Nous arrêtons tout. Il s'avère que je ne sais pas compter. En fait, j'avais même mis les dés. Donc, elle avait vraiment pris 16. Et elle était du coup naturellement décédée. Vous pouvez la voir, la belle Marguerite. Marguerite Honduras. D'accord. Référence philosophique. Mais tu vois, t'as fait le malin. Je t'ai dit, tu vas prendre ton carton rouge. Ça tu marche. L'as pris, monsieur. Bon. Écoute, j'ai plus grand chose. Bon, non, j'ai quand même un petit peu quelques trucs sur la table encore. Donc, concernant ce tour-ci, à la bravoure, tu es tranquille. Oui. Ici, tu as repris l'objectif. Avec le courtier. Et ici, tu as pris l'autre. Avec l'arche régent. Donc, tu marques 2 points. Donc, 3 points en tout. C'est ça. 3 à 1, et nous allons passer au T de Gloom. Yes. Troisième tour côté Gloom. Alors, comment ça se passe? J'avais 2 PC, j'en gagne un supplémentaire. Parce que c'est mon tour, et un autre supplémentaire parce que j'ai mon général qui est sous l'effet de la lune. Ensuite, alors premier effet de la lune. Je vais choisir l'unité entièrement sous la lune, donc l'unité blanche. Je vais jeter un dé. Si je fais moins que le nombre de figurines, ce qui est le cas, elles vont prendre des 3 blessures mortelles. 2 BM. Tout de suite les grands mots. Allez, les coques. Pas de coq. Dommage. C'est la première fois que t'as pas de coq en disant les coqs. Ensuite, alors je l'ai pas dit, mais techniquement, eux peuvent se soigner. En plus, comme ils sont sous l'effet de la lune, comme je l'ai dit, je peux soit relancer, soit doubler la valeur du soin. Malheureusement, il n'y avait pas de troll blessé. En plus de ça, j'ai oublié, mais mon trog boss est sur un décor dominant. J'ai donc 5 CP. 5 CP? Rien que ça. Phase de héros, allons-y. Je vais tenter de lancer les cogs avec ma Trogoth Hag. Je fais 8 et 1.
9. Et ben, je vais essayer de dissiper avec mon arche régent qui a plus 2 pour dissiper. Allez, fais-nous un petit 8. Donc sur un 8. Et oui, c'est une dissipation magnifique. Fantastique. Avec un coq. Absolument déboussolé. Donc fin de ma phase de héros, nous allons donc passer à ma phase de move. Suite à ma phase de mouvement, j'ai avancé mon troc boss sur la bisectrice de... je devrais pas dire ça, je passe pour un dingo. À égale distance des ghouls, enfin, c'est même pas distance, c'est une histoire d'angle, des ghouls et du terrorgeist pour pouvoir potentiellement avoir une charge simple ici et en même temps pas trop m'exclure d'une charge là-bas, en sachant que la dissipation des cox m'a fait quand même très mal parce qu'il bouge que de 6 et je vais avoir une charge non modifiée, donc c'est pas très cool. Ensuite ici, je me suis mis à 3 dans l'objectif de charger. Et la Trogoth Hag qui est ici et qui contrôle l'objectif, il faut absolument qu'elle continue à le contrôler. Et pour ça, il va falloir qu'elle ne charge pas. Et en plus de ça, je l'ai décalé un petit peu du bord de table pour me prémunir éventuellement d'une charge trop facile sur des unités qui arriveraient au bord de table. Allons-y, cette unité de troll va larguer un gros caillou dans... Est-ce que c'est une bonne idée? Oh, je vais mesurer. Après mûre réflexion, mes trolls vont lancer un gros caillou dans l'arche régent. Pourquoi? Parce que c'est un tir particulier, c'est une aptitude qui dépend du nombre de figurines dans cette unité et donc qui ne va pas m'embêter avec la règle d'attention messire. Je suis 5, donc sur un 5 moins, c'est bon. 5. Allez. Et je vais faire des 3 blessures mortelles dans l'arche régent. Une. J'ai un feel no pain sur l'arche régent. Allez, donne-moi un 6. Dommage. Ça, je l'étais classé. Donne-moi un 6. Dommage. Double as. Chez. T'as voulu tricher. Ensuite, la Trogoth Hag va tirer dans l'arche régent. Alors elle, par contre, elle a vraiment le moins 1 à la touche. C'est donc ça. C'est plus du 3 plus 3 plus, c'est du 4 plus 3 plus. C'est pas grave. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y a un problème. Oh mon dieu. 3 plus. Ah, 3. Reine moins 2. Reine moins 2, ça va être sur du 6, monsieur. 3 à reine moins 2. Sur du 6. Allez. Ouah, tiens. 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 Je me casse. Allez, bonne soirée. Oh mon dieu. Regardez-le. C'est pas normal ça. J'en peux plus. Ça c'est pas normal. Non, vous voyez sa tête, c'est priceless. Vous voulez pas voir ma tête? Elle aurait dû prendre 3 des 3. Oui. Oh, pourquoi ça m'arrive jamais en tournoi ces trucs là? Bon. Bon bah nous allons passer à la phase de charge. A tout de suite. Bon alors pour info, il s'est passé 3 secondes dans la vidéo, mais là ça fait 10 minutes que je pleure. Regardez-le. Ça fait 10 minutes que je rigole comme un malade. On s'en est toujours parmi. Oh, j'ai vidé le sopalin à cause des larmes. Ouais, c'est ça. Alors, allez, on va remettre un peu de vie. Alors, c'est parti. J'ai chargé avec les trolls. J'ai chargé avec le méga troll qui a passé une charge à 10. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Début de ma phase de combat, j'ai 5 PC. Je vais en claquer 1 parce qu'il donne la capacité de relancer les 1 à la touche pour tout le monde. Petite capacité, avant de passer aux attaques, j'ai d'abord une capacité avec cet individu au début de la phase de combat qui fait que, comme tu as, je jette un dé si je fais moins que le nombre de figurines dans l'unité, c'est pour toutes les figurines à 3 pas, pour toutes les unités à 3 pas, l'arche régent n'y est pas encore, et eux ils sont, donc tu prends une BM dans les ghouls qui sont ici. Allez, un petit 6. Franchement, ouais, ça va aller. Et ensuite, je vais faire activer mes trolls, donc j'ai 10 attaques en 3 plus relance des as. Évidemment, je fais 3-2 et pas d'as. 3+. Je suis extrêmement salé. Donc là, j'ai 2 attaques reine-2, dégâts 4. Et 2 attaques reine-2, dégâts 3. Donc 4 et 4, 8, plus 6, ça va faire 14 dégâts, monsieur. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc 14 feel no pain. Ah, si tu y crois au 14-6 ou pas? Allez, joue. J'en ai marre. 14-6, tu fais quoi? J'arrête tout là. Je ferme la chaîne. Je vais en sauver 2, donc ça va me faire 12 morts. Excellent. Une activation, disons, potable pour les trolls. Et du coup, je vais enlever des mecs par ici avec le calice qui va bloquer. C'est ça. Et potentiellement. En fait, pourquoi c'était 4 dégâts 4 flat? C'est grâce à mon bataillon. Et comme tout le monde là est dans le bataillon, c'est augmente les dégâts de 1, donc je passe de 3 à 4. Donc tu as fait ton activation ici avec tes ghouls, tu as dû en laisser quelques-unes près du troc boss parce qu'elles ne pouvaient pas s'en éloigner.
Et tu vas donc faire ta double activation avec tes ghouls dans les Rogut Rogot. C'est ça. Et en espérant qu'il en reste quelques-uns à la fin. Alors, suite à ta deuxième activation, tu as fait les deux. Évidemment, je jette mes dés par terre. Tu as fait les deux d'un coup. On a oublié tout à l'heure, ça ne changeait pas grand-chose, parce que de toute façon, à la fin de la première activation, il ne restait plus qu'un troll. Mais les Feel No Pain à 5 sur ces trolls-là. Mm-hmm. Donc, on va évidemment les faire proprement cette fois. Donc, j'ai 21 sauvegardes sans reine. Oui. C'est ça. Donc, j'ai une sauvegarde à 5. C'est pas mal. Non, c'est un peu nul en fait. Donc, 4, 5, 6, 7. Et cette fois, j'en ai 11. Je fais n'importe quoi. Donc là, c'est d'abord les save à 5. Donc en tout, j'en ai sauvé 7 sur les 21. Donc j'ai 14 Feel No Pain à 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va essayer de ne pas en perdre trop. Aïe. Ça me fait 1 et 2 trolls. Un petit peu plus de 2 trolls qui meurent. Et on va passer à l'activation du troc boss. Alors, nous avons retiré 2 trolls, 75. Je vais procéder à cette activation. Alors, je vais mettre l'attaque spéciale dans cette goule-là, qui a 1 pouce, qui a 1 PV. Donc, sur un 1+, parce qu'il faut que je fasse plus ou égal que ton nombre de PV, elle est slain. Donc, celle-ci va être slain. Comme tu as déjà fait ton activation, ça va te faire péter à la cohésion. Donc, ça, c'est plutôt positif pour moi. Et ensuite, on va passer aux attaques qu'on veut tous voir. Alors, grâce à mon artefact train coach, je ne sais plus exactement, je peux relancer les dégâts des D6. En plus, je touche sur du 3, comme j'ai payé un PC, j'ai la relance des As. Et je blesse sur du 3. Donc c'est parti, 3 plus relance des As. Solide. Je mets tout dans l'arche régent. Je ne l'ai pas dit, je préfère être safe et reprendre absolument l'objectif. 3 plus. Bah non, pas relance des As, hein, du coup. Une seule. À combien ? Reine moins 2. Ce sera sur du 6. Le coq ! Dommage. Combien de dégâts ? D6. 4, il avait pris déjà 2 PV. Donc moins 4, ça va faire 6. Donc il lui reste 1 PV. Alors l'arche régent n'avait pas pris 2, il avait pris 1. Et là, il a pris 4. Donc il a pris 5 en tout. Et tu vas passer à son activation. C'est ça. Donc je vais avoir 7 attaques sur du 3+. Il y a du coq, j'aime bien. Allez, encore du coq. 3+. Bah, ça va te faire 2 sèves à reine moins 1. Donc j'ai 2 sauvegardes à 5. Oui. Dégâts. Dégâts 1. Alors ensuite j'ai mon Feel No Pain sur un 4+, qui se pète si je fais un as. Bien joué. Il est pété. Oups là. Oui, parce que pour la règle. C'est une catastrophe cette partie. En fait j'ai un Feel No Pain à 4 tant que je fais pas un 1. Et évidemment, comme je l'ai dit à la présentation des listes, premier jet, premier 1. Donc il pète et je prends un dégât. Au secours! Oh mon dieu! Donc, phase de déroute. Je vais du coup utiliser un point de commandement, donc mon dernier point de commandement, pour immuniser les ghouls à la bravo. J'ai pas vu ici, il y en avait un qui avait la cohésion pétée. Ah oui, c'est vrai, lui il est mort. Ah, c'est pour ça du coup que tu l'as mis là, ok. Donc oui, lui il est mort. Et donc du coup, la cohésion, c'est le truc intéressant avec cette capacité, c'est que si on le fait activer après l'unité qui subit, elle n'a pas le temps de se reformer. C'est ça. Pour avoir sa cohésion. Donc j'ai toujours pas pris l'objet. Par contre, je marque toujours mon petit point là-bas. 2 points, parce que là, c'est le deuxième tour de suite que tu gagnes l'objet. C'est vrai. Donc ça nous fait 3 partout. Et concernant la déroute, je suis sous l'effet dans les 12 pouces de ce décor. Et donc, je suis immunisé à la bravoure. Donc, à la fin de ton tour, il y a eu quand même 14 ghouls qui ont sauté autour du calice. Plus 2 trogotes. Donc ça va me faire 16, je vais lancer 16 dés sur chaque 4+, je peux guérir des PV sur l'arche régent. Ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5 et je peux ressusciter 4 ghouls. Très bien. Je prends. On va donc procéder au mouvement de la lune en espérant ne pas faire 6. 1, parfait, elle ne bouge pas donc elle est encore sur toute la table. Ça c'est une très bonne nouvelle pour moi. Et on va donc passer au Jailinit. 3. Ouh là 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 là. Ouais, bah, je crois que de toute façon, sinon, c'était absolument plié. Yes. Donc, grande surprise, je vais prendre cette initiative. Pour la phase 2, héros. Alors, je gagne un PC parce que c'est mon tour et je gagne un PC supplémentaire parce que mon général est sous l'effet de la lune. Donc, ce qui me remet à 6 PC. Ça va. Je suis plutôt serein. Tu peux m'enfiler 2 ou 3. Non, ça va aller. De toute façon, tu les payes pas, toi. Donc, c'est parti. Début de mon tour. Sur un 4+, il se soigne. Oui, de D3 dégâts. Et c'est doublé.
parce que je suis sous l'effet de la lune. Donc ça fait 2 et il soigne de 4. Idem pour lui. Relançable parce que je suis sous l'effet de la lune. Et non, il veut pas. Bon, c'est pas grave, mes trolls se sont soignés, c'est déjà une bonne nouvelle. Il est un peu slanécheux sur les bords, ton troglote. C'est vrai, c'est extrêmement bien dit. Il aime souffrir. Phase de héros, du coup, pour la suite, je vais lancer le sort maison de la Trogoth Hag sur l'Arche Régent, en sachant que j'ai un petit plus 1 au cast. Je fais 7 et 1, 8. Donc moi, j'ai plus 2 en dissipation, donc il faut que je fasse un 7 avec les dés. Je fais 7. Très bien. Donc ça ne passe toujours pas, et nous allons passer à la phase de mouvement. Phase de mouvement, je ne vais rien faire parce que je suis engagé. Mmh. Et phase de tir. Alors, c'est une aptitude en phase de tir que je vais utiliser avec mes trolls, et je vais le faire sur l'Arche Régent pour lui mettre des 3 BM sur un 3-. 3-, des 3 BM, 3 blessures mortelles. Allez, 3 Fin of Vein. J'en sauve une, je perds 2 PV. C'est déjà pas mal. Il en reste 5. Et ensuite, je vais utiliser le tir de la Trogoth Hag, qu'on a vu déjà extrêmement efficace dans l'Arche Régent. Donc c'est parti, j'ai toujours mes 6 attaques en 3+. 4+, parce qu'il y a la tension messire. Mmh. 3+. 2, reine moins 2. Ce sera sur du 6. Non. 2 des 3. Aïe, 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 5. Dégâts. Si je fais pas un seul 6, il est mort. Ce serait une bonne nouvelle, ça. J'en fais 3. Non, mais c'est pas vrai. C'est un truc de fou. Il me reste 3 PV. Excellent. Fin de ma phase de tir, nous allons donc procéder à la phase de charge. Il n'y a pas de charge, et nous allons donc procéder au début de la phase de combat. Est-ce que tu peux arrêter de rire, s'il te plaît ? Nous allons arrêter de rire. Donc début de la phase de combat, je vais évidemment payer un PC pour relancer tous mes jets de touche. Oui. Et je vais en repayer 2, de toute façon il ne me reste plus grand-chose, pour relancer les 1 à la sauvegarde sur tout le monde. Donc je viens de dépenser 3 PC. Et je vais commencer par faire l'aptitude au début de la phase de combat. Pour toutes les unités autour de lui, si je fais moins ou égal au nombre de figurines, c'est une BM. Donc pour les ghouls, ça fera une BM. Et pour l'Arche Régent, sur un 1, évidemment, c'est un 6. Il ne prend pas une BM. Donc on va commencer par une BM sur les ghouls et on va passer à la première activation côté Gloomspite. Début de la phase de combat. Alors, en fait, je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé activer lui là-dedans. À partir du moment où il a du dégât D6 relançable, j'avais bien envie de voir ce que ça donne. Surtout à l'époque, on pouvait lui mettre une Gear Strike. Donc c'était un petit peu sympathique quand il était en 2+. Bref, je m'éponds un peu. Lui, donc du coup, je l'activerai en deuxième, parce qu'il devrait normalement être capable de tanker l'Arche Régent. Et ensuite, eux vont faire leurs 6 attaques. C'est du 3+ relance des As. C'est un beau 3+. 3+. Ça fait 4 attaques. Reine moins 2. Il n'y a pas eu de 6, donc ça fait 12 dégâts. 12 dégâts, bah, ça va me faire 12 Feel No Pain. Donc les trolls qui tapent. Sur du 6, je vais perdre 10 mecs. Très bien. On va passer à ton activation. Yes. On va donc procéder aux attaques de l'Arche Régent. Donc c'est parti, t'as 7 attaques. C'est ça, 3+. Ça me fait une qui touche pas. 3+. Casser celui-là. Hop, donc ça te fait 3 save. 4 save à moins 1. C'est ça, donc 4 save à moins 1. J'ai une save à 4 qui passe à 5. Et j'ai plus mon Feel No Pain, donc ça me fait 4 dégâts. Je vais donc procéder à l'activation de mon Trog Boss. On va voir s'il finit par faire quelque chose. Assez intéressant, il n'a pas de profil dégressif. Donc j'ai 4 attaques, c'est du 3+, relance des As. Quand même un. Du 3+. Donc tu en as une. Avec un dégât supplémentaire et une dégât normal. Reine moins 2, puisque tu as conjuré mon sort. Donc ça y va 6. Donc la spéciale. La spéciale. Non. Non. Donc on va commencer par la spéciale. Donc c'est D6 plus 1. Donc 6 dégâts. Je vais choisir de ne pas la relancer. Et celle-ci, je vais choisir de ne pas la relancer. Donc ça fait 12 dégâts. On va quand même peut-être finir par mourir, quoi. Et là, je t'avoue que je l'aurais vraiment mal pris, quand même. Et il est mort. Donc, le Trog Boss, s'il avait fait ça au tour d'avant, ça aurait été solide. Yes. Mais au moins, tu prends l'objet. C'est vrai, je reprends l'objectif. Et on va passer à l'activation des ghouls. Alors, c'est un petit peu laborieux parce qu'il y a beaucoup de dés. Donc, on va se retrouver juste après les sauvegardes et tout le tintouin. Alors, on a procédé au test de
enfin les sauvegardes, j'avais 23 sauvegardes à faire. J'en ai réussi en save à 5, relance des as, feel no pain à 5. J'ai perdu 6 PV, donc j'ai perdu un premier mec et 2 PV dans le deuxième. Donc plutôt pas mal pour moi. Ensuite, toi, tu as pas mal d'effets avec la déroute et c'est le calice. Alors, sachant que les décis... Alors, j'ai perdu 10 ghouls, donc j'ai une bravoure de 10 plus 1 parce que j'ai une tranche de 10. Donc 11, je vais perdre D6 moins 1. Les D6 moins 1 ghouls que je vais perdre vont s'ajouter au calice. Donc 3, donc je vais perdre 2 ghouls. C'est ça. Donc, j'ai perdu 12 ghouls. 12 ghouls en tout, plus l'arche-régent à côté, plus le strogoth. 14. 14 dés à lancer. Et donc sur des 4 plus, tu ramènes des ghouls. C'est ça. Fais-nous rêver. Allez, c'est parti pour faire des gros jets. Et 1, et 2, et 3. Donc je vais ramener 1, 2, 3, 4, 5, 6 ghouls. C'est bon. Très bien. Concernant les scoring des points, ici je marque 3. Ouais. Donc c'est plutôt cool pour moi. Et 1. Ici je marque 1, donc ça fait un score de 7 à 3 côté Gloom Spidegeats. C'est ça. Troisième tour côté Flesh Eater Quartz, phase de héros. Yes, donc ça commence à être tendu, donc il va falloir peut-être passer à un sort de Feel No Pain. Donc je sais que j'ai moins 1 pour lancer le sort parce que la lune est toujours sur tout le monde. Donc ce sera sur du 7. Ça passe sur du 8. Solide. Exactement. Juste ce qu'il faut. Est-ce que tu peux dissiper? Je ne peux pas dissiper, je suis trop loin. Ça marche, donc il aura sa Feel No Pain à 5+, mais je n'aurai plus de Feel No Pain à 6 depuis le nouveau manuel du général. Je vais générer un PC. Et du coup, je vais passer directement à ma phase de mouvement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger ce petit monsieur de 6 et rester dans les 3 pouces de l'objo. Hop là, juste là. C'est ça, parce qu'en fait, si on change de héros pour contrôler l'objo, par exemple, on perd le cumul c'est des ça. Tours. Et en fait, pourquoi je le bouge? C'est pour rester à côté de l'objo et parce que ce monsieur-là va bouger de 14. Et donc, il aura une charge à 6 parce qu'on a mesuré et il était à 20. Et donc, le but de la manœuvre, c'est d'avoir ta relance. La relance avec le penon écorché. C'est ça. Parce que je serai Holy Within 12 du penon écorché du courtier. Les ghouls, tout simplement, vont courir. C'est ça, tu vas les ramener un petit peu hop. Par là-bas. Et puis, on se retrouve pour la phase de tir. Phase de tir. Alors, juste à la fin de ta phase de mouvement, tu as ramené tes 3 flyers. Et c'est là qu'on voit que mon move était pratique, c'est qu'en fait je me suis mis au maximum à l'intérieur et le plus au centre pour être hors de portée de tir. Donc du coup, tes flyers qui ont 10 de portée plus les 6 du bord de table, en fait il faudrait que je sois à moins de 16 du bord de table pour que tu puisses m'avoir et donc ça ne sera pas à ce tour-là. C'est ça. Par contre, lui, il peut tirer. Il peut tirer. Par contre, il faut qu'il regarde sa cible quand même. C'est ça. Lui, il a guéri d'ailleurs des 3 blessures. Bon, il avait un seul PV perdu. C'est ça. Donc il est full life. Donc je vais tirer sur. En fonction de ma bravoure. Donc sur ta bravoure, le délire c'est que si je te tue, je vais peut-être essayer. Ouais, si tu me tues, tu seras embêté parce que techniquement tu pourras pas reprendre l'objectif ce tour. C'est ça. Vu que tu dois finir ta charge à moins de 0,5. Je pourrais pas tirer sur le Trogoth. Tu as une bravoure de combien avec ton Trogoth? De 7. De 7. Il te reste combien de PV? Il me reste 8. Il te reste 8. Je pourrais pas te faire 8 PV, je pense. Allez, c'est parti. 3. 3 plus 6, ça fait 9. Donc 2 BM dans la tête. Et évidemment, comme on le sait tous, je n'ai plus de Feel No Pain. Yes. Ah si, un coq, c'est gentil. C'est ça. Fin de ta phase de tir. C'est ça. Et nous nous retrouvons pour le début de la phase de combat. De charge. Ah oui, si tu veux la filmer, bah filmons-la. Allez, c'est parti, donc charge à 6, relançable. Ah. Et c'est bon. Ça passe. Ça passe. Et il va lui foncer dessus, bam, comme ça. Du coup, je pense que tu vas activer E en premier. Je vais activer les ghouls d'abord pour essayer de faire en sorte que tu n'aies plus de Trogoth. Très bien. Tu es je suis courageux. Je suis courageux. En tout cas, au début de la phase de combat, moi, je vais... déconne. Je vais taper avec les terroristes. T'es fou, toi. Je tape fort. Donc d'abord, je vais utiliser un PC pour relancer les 1 à la save. C'est ça. Sur les 2 packs. Est-ce que tu m'avais cru? Oui, je t'ai cru. Donc, je vais utiliser 2 PC. Mm-hmm. Et comme de toute façon, on arrive mine de rien au bout, on ne sait jamais. S'il tient, je vais utiliser mon dernier PC pour relancer les 1 à la touche. Donc, je n'ai plus de PC. Commençons déjà par les râteliers de crocs. Allons-y. Allez. Donc, j'ai pas de malus hein, cette fois-ci. Non. C'est sur du 4+. Oh, ouais. Et ça fait 6 BM et c'est relançable, monsieur.
Voilà, et ensuite, sur du 3, tu as une save à moins 2. Save à 6 ? Non. Donc c'est des 6 dégâts. Bah bien sûr. Donc ça fait 11. 11. Ça fait qu'il est stratosphérisé. De toute façon, même rien qu'au BM, il était mort. Oui. Parce que je n'ai plus de Feel No Pain. C'est ça. Adieu. Et ça fait un dé à lancer pour le calife. C'est ça. On est d'accord, j'ai pas fait un 1 à ma save là. On est d'accord. Bah du coup, ils ont plus la relance, les deux petits potes. Donc j'ai 4 attaques en 3+. Ça va, ils se débrouillent. 3+. Mm-hmm. Non, ils se débrouillent pas. Dommage. T'as fait un 3, hein. Oui, c'est ça. Donc okay. Ça fait 3 dégâts. 3 dégâts. Bah, dans 3... les ghouls, rien de moins 2. 3 Feel No Pain. J'en sauve 1. Et bien sûr. je sens un peu de. De sel. De sel dans tes paroles. C'est ça. Non, mais c'est pas mal. Je suis allé au T3 avec des Trogoths. C'est pas mal. C'est vrai. Bah écoute, on va engager avec les ghouls. Hein, ouais, on va qui passer. Maintenant n'ont plus de bonus d'attaque. Exactement. On va donc passer aux attaques des 19 ghouls. 19 ghouls, c'est 19 ça. Ghouls qui vont taper. Dans les Trogoths. Alors donc, il y en a 19 qui sont à portée. Il y en a 3 qui ne peuvent pas taper. C'est ça. Donc moi, il me reste 6 PV maintenant. Et c'est parti. 4 plus, relance les As. Alors comme il te manque des dés, moi je vais les faire aussi de mon côté. Donc relance des As, 4 plus. Un seul As. Tu en rajouteras 3. C'est parti. Et donc ensuite, tu vas blesser sur du 4. Donc ça sature quand même relativement fort les ghouls. Oui. Allez. Sur du 4 et ça va te faire une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sauvegardes. 13 sauvegardes. Ok, donc j'ai 13 sauvegardes à 5, Feel No Pain à 5. Allons-y, save à 5. Ouais. On sent la tension qui monte. J'ai toujours ma relance des As, hein, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Merci, ça valait le coup. Feel No Pain à 5. Ah là 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 là. Il me restait 6 PV, j'en prends 7. C'est l'adieu des trolls. Oui. Je suis tristesse. Du coup, ça fait un trog boss, 2 trogoths et 2 ghouls, je crois qu'ils sont morts. Donc à la fin de la phase, de déroute, je vais lancer 5 dés sur du 4+. Je vais récupérer un seul ghoul. Je prends. Excellent. Donc en termes d'objectif, tu marques 2 points pour ici. Ici, c'est ça. Ici, 1 point pour ici. 1 point. Donc ça fait 7 à 6. 7 à 6. Super, je suis devant. C'est une excellente nouvelle. Je pense que ça va pas durer, mais c'est pas grave. Allez. On va regarder où va la lune. Elle est dans ce cadran de table là. On va donc procéder au jet d'initiative. 3 et 3, c'est toi qui as eu le premier tour, donc c'est toi qui décides. Je crois que je vais le prendre. Mais pourquoi ? Ça m'a l'air... Ça m'a l'air. Il n'y a aucune logique à ta décision. Ouais. Aucune. Donc c'est parti. En fait, je ne vais pas avoir grand chose à faire pour cette phase de héros. Je dois avouer que je suis un peu triste là quand même. Donc je gagne un PC. Mm-hmm. Que vais-je faire? Bah voilà, phase de héros, je pense que je vais faire un petit trait magique là-dedans. C'est parti. Je fais 12. Alors, c'est quoi ça? Tu peux rien faire. Des 3 dégâts. 3! Sur qui? 3 blessures mortelles dans les petits gars. Oh là 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 là. Quelle insolence. Mais quelle insolence, il m'en enlève 3. C'est ça. Ensuite, nous arrivons à la phase de mouvement. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que je fuis tout simplement pour me mettre le plus loin possible des flyers, donc en restant dans l'objectif. Mm-hmm. Donc, je m'en vais loin de ces individus malfaisants. Mm-hmm. Et j'arrive à ma phase de tir. Phase de tir, je vais payer un PC pour relancer les 1 à la touche au tir. Ok. Et donc, je vais tirer dans les ghouls. En espérant les nettoyer. Donc c'est parti, j'ai 6 attaques en 3+, relance des As. 6 attaques, c'est mieux. Relance des As. Elle est balèze. 6 en 3+. Oh, ah là 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 là. Oh, Elle abandonne. Catastrophe. Des 3 dégâts. 2. Feel no pain. Dommage. Et puis ça marquera la déjà fin de mon tour. Je peux pas me permettre actuellement de faire mieux que ça. Donc j'ai un test de bravoure à... À pas de bravoure. À pas de bravoure, mais j'ai par contre 4 dés à lancer pour récupérer du ghoul. C'est ça. J'en récupère 3. Tu m'en as fait qu'un seul, monsieur. C'est ça. Donc pourquoi je me suis éclaté. C'est pas faux. Oui. Je me suis écarté des flyers parce que de toute façon, le dragon zombie, le terror gaze, c'était un tel mouvement que dans tous les cas, je pouvais pas fuir. Par contre, si je peux en plus m'éviter de me prendre ça, ça serait pas mal. Par contre, je n'avais pas la portée pour aller mettre mon sort de debuff pour le tour suivant, pour être un -1 to hit sur le terrorgeist.
Et donc, Matrogot Hag marque 4 points quand même. C'est ça. Donc, on est sur un score de 11 à 6. Exactement. Et nous allons pouvoir passer à ton tour et ta phase de héros. Phase de héros. Phase de héros, du coup, je vais lancer Tu sais quoi, je vais tenter le coup, je vais lancer un trait mystique. Alors, pour info, on a fait les... On a calculé rapidement ce qui se passait si on arrivait au T5. Et en fait, il s'avère que moi, de toute façon, je peux pas bouger de là. J'arriverai certainement pas à aller sécher quoi que ce soit. Et moi, je peux pas bouger. Donc, mon seul plan, ça aurait été d'avancer pour essayer de me mettre à portée et de tirer dessus. Malheureusement, j'ai pas la portée pour faire ça. Et voilà. Donc, en fait, il n'y a pas d'intérêt à ce que tu viennes me chercher avec ton terrorgeist. Et dans tous les cas, a priori, je vais avoir du mal à revenir. Donc, on va faire ce tour et puis on verra après selon l'init. C'est ça. Mais ton terrorgeist ne viendra pas me chercher. C'est ça. Donc du coup, je vais lancer un trait mystique sur ta hague. Ouais. Je suis à 18. J'ai fait 7. Je suis tenté de dispel. Je fais 8. Et normalement, je subis des blessures. Sur un 4+, tu prends des 3 BM. Une BM. Une BM sur un 6. Non. C'est donc, cool. J'ai perdu un PV. Très bien. Du coup, phase de... Je gagne un PC. Phase de mouvement. Je vais bouger de 10, de 12 avec les flayers. C'est ça, donc malheureusement, je ne pouvais pas me mettre à plus loin de l'objectif. Et donc, tu es à un tout petit peu moins de 22. C'est ça. Ce qui va te permettre de me tirer dessus. Tout pile. C'est ça. Et les ghouls vont se mettre à 3 juste devant Matrogot Hag. C'est ça. Nous passons donc à la phase de tir. C'est ça. Donc, du coup, j'ai quand même pu avancer mon Terrorgeist pour rester à 3 pouces de l'objet tout en étant à distance de tir de la Hag. Donc, je vais lancer un dé. J'ai fait 1 plus 6, ça fait 7, ça fera pas de dégâts. C'est ça. Ensuite, je vais lancer 2 dés par flayer. J'aurai moins 2 parce que je suis à plus de 3 pouces de la hague. Ouais. Et ça fera, avec la différence de la bravoure, des blessures mortelles. Rien 4, du tout. 0. La seconde, 6 et 3, 9. Moins 2, ça fait 7. Ça fait 7. Ça fait 0. Donc, il me faut un 10 ou plus. Rien du tout pour ce tour-là. Du coup, je vais devoir charger avec les flayers. C'est ça, on va tenter la charge avec les flayers. C'est une charge à 10. 10 du coup. Rien ne passe pas. Je suis trop loin de mon Terrorgeist pour pouvoir relancer la charge. Du coup, je vais charger à 3 pouces avec les ghouls. Ça passe. Alors, tu as 22 ghouls qui vont pouvoir taper. C'est ça. Donc, tu as 66 attaques qui touchent à moins 1 du coup, puisque tu tapes au corps à corps une Trogoth Hag. C'est ça. Et donc, tu vas faire 2 salves de 30 et puis... On verra pour ce que ça donne. Donc, tu touches sur du 5. Sur du 5, mais relance les 1 parce que je suis entièrement à 18. C'est ça. Laborante. Donc, on va vous épargner les jets de dés. On se retrouve pour les sauvegardes. Yes. Suite à la grosse saturation, on a donc 12 sauvegardes à 4 dans la Trogoth Hag. C'est pas mal. Eh ben, dis donc. Je prends seulement 4 dégâts. Et donc, je vais tout de suite immédiatement riposter avec ma hag qui n'est pas passée dans son palier dégressif. Et donc, j'ai 4 attaques en 4+, 2+, 2+, une seule, reine moins 1, dégâts 3. Oulala, là là, j'ai pas de... Ok, et ensuite, j'ai des 3 attaques en 4+, elles sont importantes celles-là, 3+, évidemment. Donc, ça fait 0. 0, hein, du tout, nada? Non, c'était 4+, 3+, et le 3+, n'est pas passé. J'ai pas de fine peine à passer. Donc, tu as pris 3 dégâts. J'ai pris 3 dégâts, je suis trop loin de des entièrement 12+, je crois. C'est ça. Du coup, tu repasses à 19. C'est ça. Donc, c'est plutôt pas mal pour moi. Yes. Et puis voilà. Hein. Donc, pour ce tour, on était sur un score de 12. De 11. De 11 à 6. À 6. C'est là, ça. Je vais gagner... 3 points ici et 2 points là, donc ça va faire 11 partout, si je dis pas de bêtises. Ouais, 11 partout. Ça a l'air pas mal. Ok, nous allons regarder déjà, premièrement, puisque tu n'as pas de test de bravoure, la lune, qui est encore sur la table. Eh ben dis donc. Elle est dans le coin là-bas. Ok. On va donc procéder au jet d'initiative du T5, même si on sait que dans l'absolu, je ne peux plus revenir. Si je pouvais marquer mes points, ça serait cool. 2. Aïe. Ben merci. Et bien donc c'est reparti pour un tour. Je vais essayer de nettoyer les ghouls parce que ça me fait plaisir. Donc on va commencer tout de suite par faire un petit trait magique. Mm-hmm. Un petit trait magique dans les ghouls. Ça me fait 8. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dissiper. J'ai fait 8. Ah là 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 là. Super, donc ça va faire une blessure mortelle. Ok, je suis toujours pas entièrement à 12. Mais maintenant avec cette mort là, je le serai.
Ensuite, je vais, j'aurais dû le faire au début du tour, me soigner de D6, 3. Donc ma hague, techniquement, j'avais pris 4. Yes. Donc elle a pris 1 PV. C'est tout pour ma phase de héros. C'est ça. Phase de move, je suis pas sûr que ça soit très intéressant de me désengager. On va passer à la phase de tir. Est-ce que je relance mes 1 à la touche pour le tir? Qu'est-ce qui te reste, mon ami? T'es au T5. Il me reste un PC. Non, mais je vais plutôt les... Je vais les prendre pour le tir, comme ça, tant pis pour le cac. Donc c'est parti, j'ai 6 attaques en 3 plus relance des as. Voilà, c'était un bon investissement. 3 plus, fais-moi plaisir. 3. Moi, ça me fait plaisir. 3 reines moins 2. 3 reines moins 2, j'ai rien. C'était dégâts des 3, hein. Donc ça fait seulement 4. 4, du coup, j'ai 4 feel no pain, donne-moi du coq. T'es vraiment insolent. C'est... Non, mais tu sais, c'est ça... je fais jamais ça dans les trucs, tu vois. Ou Coupe du Monde, machin, ouais, tout c'est ça. Alors c'est parti ensuite, phase de cac. Voilà, elle est au bout du rouleau. Hein. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques en 4 plus. Ouais. 2 plus. Ouais. Je suis seulement reine moins 1. J'ai pas de. Je donc suis ça boule. Fait 6 dégâts. Et ensuite j'ai D3 dégâts, D3 attaques. Yes. En 4 plus. 2 plus. Sans reine. Sur du 6. Non, 2. 1, 3. Il y avait 2. 2, pardon. Le deuxième. Dommage. Donc, 2d6. Voilà. Donc, ça fait 9 et 6, 15. Aïe. Donc, ça fait quand même... avant les fils no pain, ça fait quand même 19 ghouls. Ça va faire... 14 ghouls. Ça va faire 3, 6... Pas mal. 8, 10... Aïe. 12, oh là 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 là, 14, il m'en reste 1. Disons que je vais laisser celui qui est juste là. On sait jamais, est-ce qu'il est à 6 pouces? Je crois qu'il est trop loin pour un. Ah, il a l'air un peu loin quand même, technique. Oh, c'est pas grave. Je vais contre-attaquer avec un ghoul, tu vas voir. Vas-y, fais-moi plaisir. Et je vais même utiliser mon PC spécial juste pour le faire réattaquer deux fois. Bien sûr. Allez, donc ça, je vais faire direct ces 4 attaques. Hein. À lui tout seul, donc 2 et 2. Ouais, moins 1 tout 8. C'est pas grave, je vais faire le PV de la honte avec lui. Voilà, bim. Et bim, t'as une save, tu vas la rater, tu vas voir. Tu vas voir. Je t'ai dit le PV de la honte. Elle a pris 2 dégâts du coup. Elle te met une gifle avant de partir. Une petite déroute? Ouais, alors je vais perdre D6 plus... Plus trop. Ouais, voilà. Bon, bah elle aura quand même nettoyé. Ouais. Bon. Alors, je marque 5 points. C'est ça. Elle a vraiment fait le taf, elle. Hein. Mm-hmm. Donc ça fait 16 à 11. C'est ça. Et ensuite, on passe à ton T5. Bon, alors, ce qu'il faut remarquer maintenant, c'est que même si tu fais rien, tu vas marquer 4 et 3. C'est ça. Ce qui fait 7, d'après mes calculs. C'est ça. Et donc, ça ferait un score de 18 à 16. C'est ça. Bon. Mais le but, ce serait quand même de pouvoir t'asmater quand même. Ah, tu voudrais la tuer? Ah oui. Non, mais pas la tuer avec elle. Avec les flayers, ce serait allez, sympathique. Vas-y. J'ai du tir, j'ai du cac. Donc, déjà, je vais faire un petit trait mystique. Ce serait sympathique. J'ai fait 7. Je fais 7. Tu n'as pas plus 1 pour. Non. C'est ça. Donc une blessure mortelle. Miladin ayant absolument envie de table rase mon armée. Il me reste 13 PV quand même. Hein. C'est ça. Donc c'est parti, phase de tir. Phase de tir, donc 2d6 moins 2. Non. Ah, ça marche pas. Le second. Ça non. Marche pas. Et le troisième. Ah, dommage. Toujours pas. Et puis le tir de la Borante Ghoul King. 5 et 6, ça fait 11. Ça te fait 4 BM. Ça marche. Donc, elle a pris 7 dégâts. Il lui reste 9 PV. C'est ça. Est-ce que tu penses que tu vas la finir? Je vais la finir. Allez, c'est parti. Phase de charge. C'est parti. Tu charges avec le Terrorgaze, bien sûr. Je charge avec les Flayers, bien sûr. Tu me payes combien pour que je charge avec les Terrorgaze? Avec le Terrorgaze? Absolument rien. Ah, c'est bête. J'ai cru que tu avais... J'ai entendu que tu avais une nouvelle armée Roi des Tombes. Je me suis dit, peut-être qu'on pouvait faire un échange. On la verra bientôt. Ouais. Du coup, ça va faire 4 attaques par tête. Hop là. Alors certes, je vais toucher sur du 5. Mais si je ne m'abuse, je vais avoir une attaque en plus déjà avec le champion. Les 6 en jet de touche, ça fera une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. On passe donc aux 13 attaques des flyers. Et je vais engager comme ça pour pouvoir être Holy Within 12 du Mister. Allez. C'est parti, donc 5 plus, les 6, c'est une BM en plus des dégâts normaux. Il n'y a pas de 6. Ah si, il y a des coques.
Les petits coques. Alors, ça fera... 2 BM en plus. 2 BM en plus, et c'est tout pour l'instant. C'est un peu triste, hein. C'est un peu tristoun. Allez, 3 plus. Ça te fait 2 save à moins 1. 2 save à 5. Non. Donc ça te fait 2 BM plus 2... Ça me fait 4 dégâts. C'est ça. Bon, elle est loin d'être morte, hein. T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'as fini ? Je vais refaire un peeling, du coup. Allons-y. Il lui reste 5 PV. Allez, c'est parti. Que des 6, que des coques. C'est pour beaucoup. Donc ça te fait 1 BM. J'ai plus de touches que la dernière fois. 3 plus. Ah, elle va survivre. 3 save à 5. Triple 4, évidemment. Et donc, elle a pris... là, elle était à 11 et elle a pris 14. C'est ça. Il lui reste donc 2 points de vie. Et on va voir ce qu'elle est capable de faire. En tout cas, je suis pas table rase et c'est une excellente nouvelle. Alors, je vais donc avoir mes attaques. Donc, j'ai 4 attaques qui touchent à 4. Blesse à 4. Rien du tout. Ensuite, j'ai des 3 attaques. 2 qui touchent à 4. Blesse à 3. Ouais, sans reine. C'est à 5. Non. Des 6 dégâts. 5. Donc j'en perds 1. Et il y en a un qui perd 1 PV. Bah, c'est bien défendu. Bah, c'est bien défendu, ouais. Bon, bah donc je pense que ça marque la fin de cette partie. Yes. Tu marques donc, comme on a dit, 4 points ici. Et 3. Et 3 points ici. 7. J'ai toujours mon objectif là. Je l'aurais encore au T6 s'il y en avait. Et donc ça te fait 7 points, ça fait 18. Et un score de 18 à 16. Oui, monsieur. Et donc merci, Mila. Merci à toi, Squig. Bien joué. Et puis on se retrouve pour un petit débrief. Alors petit débrief, mon bon Mila. Oui, bah, c'était une partie déjà très intéressante, très drôle. En vrai, si j'avais pas eu le double tour, enfin si j'avais pas eu l'initiative T2, ça aurait peut-être pu changer la game. Dégénérer, ouais, ouais. Clairement. Parce que t'es quand même rentré assez salement dans le Dragon Zombie. Mmh. T'aurais pu rentrer dans l'objo du centre dès le T1. Il aurait fallu vraiment que je fasse un gros effort pour te sortir de cet objo-là. Après, je pense que le terrorgeiste a fait le taf. Moi j'ai été impressionné, le dragon zombie est parti tellement vite. Ouais, alors ouais, là pour le coup, j'étais surpris. Quasiment sans cac en fait, hein. Rien qu'au tir. La trogote, quand elle s'énerve un peu, elle aurait pu sécher l'arche régent. Ça, c'est clairement le fait comique scénaristique de la game. Ah oui, le triple 6 c'était le triple 6 sur un triple D3. C'était assez costaud. Franchement, moi j'ai été. Déjà, je vous remercie pas parce que m'avoir envoyé en Gloomspite contre du Flesh Eater, je ne dirais pas ce que je pense de vous. Non, honnêtement, c'était cool parce que moi j'ai l'habitude de jouer du Squig, un peu du Moon Clan, j'ai joué beaucoup de Spider-Fang et typiquement c'est une partie du BT que je connaissais beaucoup moins. D'ailleurs, au tout début de la partie, j'ai oublié un Feel No Pain à 5 sur eux parce que je les connais moins. En fait, ça tape comme des brutasses. En fait, c'est toujours le même problème, c'est que c'est peu d'attaques, gros dégâts. C'est ça. Et on n'a pas tant de fiabilisateurs que ça. Yes. Mais c'est dingue, mais le PC du Troc Boss qui te donne à une phase de combat la relance des touches pour les unités Troc Boss, quand on voit que maintenant il y a des Fate Master. En fait, voilà, on voit que ça souffre de la comparaison. Après, honnêtement, c'est assez marrant à jouer. C'est pas si mauvais que ça. En fait, il faut faire très attention. Typiquement, c'est vrai qu'au début, sachant que tu avais un double peeling, sachant que tu avais ce genre de mécanique, j'étais obligé d'exposer mon Troc Boss tout seul. Ouais. À l'inverse, c'est vrai que si on fait pas trop gaffe, tu peux vite te retrouver à sécher T1, le Troc Boss et un pack entier de petits trolls, quoi. C'est ça. Après, je vais reprendre la généralité qu'on fait un peu avec les Battletoads, c'est que quand on connaît pas son adversaire, on peut vite être surpris. Moi, j'étais surpris par la Hag, qui est une figurine Forge World, donc faut vraiment aller la chercher, tu vois. Et déjà, elles sont belles, elles sont magnifiques dans leur style, hein, mais voilà. Et du coup, ouais, je me dis peut-être que j'aurais pas exposé tant que ça le dragon zombie au tir, sachant que derrière, je me fais charger par les trolls, les trogotes, puis la hague. Je pensais pouvoir à la limite survivre un petit coup, sauf que 7 PV dès la phase de tir, ça fait mal. Ouais, t'avais même pris avec plus les. Ça, ouais, t'avais pris 11 parce que t'avais mis 4 en plus avec les BM. C'est vrai que c'est pas si. En fait,
le décor est hyper important à ce moment-là parce qu'on a besoin des PC pour essayer de fiabiliser un petit peu. Absolument. Le décor qui nous sauve en termes de bravoure, c'est très cool. J'ai eu de la chance sur ma lune au T1 qui m'a permis de jouer entièrement sous la lune de tour. Alors c'est moins Game Breaker en... Je vais arrêter les anglicismes. C'est moins crucial en... quand on joue... Ah là 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 là, tu veux pas le laisser tranquille mon pauvre gars. Quand on joue avec des trolls plutôt qu'avec des squids qui peuvent courir et charger dans tous les sens. Donc ça c'est excellent. Mais voilà, franchement c'était une bonne partie, je m'attendais pas à ce que ça aille. On va pas se mentir, on avait pris un scénario qui fasse aussi en sorte que ça soit intéressant et que je me fasse pas plier à la bâche comme on pouvait s'y attendre. Et puis venir en Beastar Skin ça aurait pas été intéressant je trouve, genre que du Flayer avec que des... Même en Gristle Gore, hein. Ouais. En Gristle Gore ça aurait été terrible, je me suis... t'aurais tapé en premier, en début de phase, et en fait, vu que t'as peu d'unités, tu m'aurais séché parce que ça tanque pas tant que ça, en fait. C'est ça. Ça tanque au PV, mais c'est trop cher, en fait, d'avoir 50 points le bestio. Bah, c'est surtout qu'aujourd'hui, maintenant, avec la disparition des caps du Doppelganger, des amulettes éthérées, c'était plus intéressant, je trouve, d'explorer vraiment les artefacts du Battle Tome. Ouais. Donc, voilà, de choisir le jour du festin, parce que ça reste une bonne sous-allégeance. Ouais. Et en même temps, voilà, de bien buffer à la magie mon arche-régent, de bien buffer voilà, le penon écorché qui a permis à des moments cruciaux de relancer un jet de charge. Par exemple, le Terrorgeist, au départ, il fait 4 sur une charge à 6. Ouais. S'il n'y a pas le courtier avec le penon écorché juste à côté, bah, ouais, ça te coûte cher. Ça me coûte cher. Ça te coûte, je pense que je perds la partie là-dessus. Ouais. Non, mais voilà, en fait, c'était franchement top. Il y a eu beaucoup de faits de jeu, alors pas aussi majeurs que le tir de la Trogoth, mais il y a eu beaucoup de petits faits de jeu qui ont fait qu'au final ça a rendu la partie assez intéressante. Ouais. Il y a eu justement un double tour à un moment où c'était aussi important parce que non pas que ça a changé l'issue de la game, mais ça aurait pu très clairement se plier beaucoup plus vite. Oui. Donc voilà, franchement top. C'est la première fois qu'il y a du fake sur un rapport de bataille live, on va dire, pas en photo parce qu'on avait fait un petit essai. Mm-hmm. C'est la première fois qu'il y a eu Trogoth. Donc maintenant on a vu du Spider-Fang, du Squig, du troll, il reste un peu de Moon Clan à voir, j'en ai pas beaucoup. À voir. En tout cas, je pense qu'on va revoir du Gloom très bientôt avec les Jaws of Mork. Je sais pas si t'as vu le petit aperçu. Donc, exactement. Donc, voilà, on en aura bientôt. Merci à toi. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli et puis d'avoir pris tous ces coups. Hein, parce que t'as fait l'insolent dernièrement. Salut. T'as fait l'insolent dernièrement. Donc, voilà, bon, faut bien se charrier un ils peu. Ils m'ont vengé, ils sont gentils. Tu vois, j'ai appelé mes bannerets, tu vois, ils ont répondu. Appelle tes bananiers. Super. Bananiers. Oh là là, oh mon Dieu. Oh là là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à toi, Mila. Bah, merci à toi et merci à vous de m'avoir filé les fakes et lu les livres. Et puis, je vous dis salut.